Jusqu'aujourd'hui, la Monnaie est toujours considérée comme un lieu où on découvre des nouveaux metteurs en scène, où on découvre des nouveaux chanteurs, où vraiment l'art lyrique est représenté d'une façon innovante, parfois avec des formules un peu inattendues. Dans les autres salles de spectacle, je préfère les dégâts. Ben, c'est une très bonne chose. Le théâtre de la Monnaie, c'est quand même un point central de la culture ici à Bruxelles et qui est connu un peu de tous. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on attend sa réouverture et ben, voilà, c'est très chouette de savoir qu'il y a des nouveaux spectacles qui vont être produits dans cette salle.